posée sur les vestiges de l'unique continent qui réunissait toutes les terres de la planète originelle, les Tepouilles, forteresses imprenables parmi les plus vieilles montagnes du monde, dominent depuis des millions d'années la jungle amazonienne. Ushuaia Nature, une équipe franco-vénézuélienne composée du botaniste Patrick Blanc, de la biologiste Cynthia Stenner, de l'alpiniste Stéphane Girard et du docteur Gérard Rey, va tenter d'atteindre le sommet du Kukanan, l'un des 150 gigantesques vaisseaux de pierre dont le pont flotte à plus de 1500 mètres au-dessus de la forêt vénézuélienne. Les Indiens les vénèrent comme le royaume des dieux. Dans l'un de ses romans, l'écrivain Arthur Conan Doyle les a peuplés des derniers dinosaures. Et les scientifiques commencent à peine à découvrir ce qui se cache dans les Tepouilles, dernier des mondes perdus, vieux de 1,5 milliard d'années. Nicolas Hulot rejoindra l'équipe franco-vénézuélienne un peu plus tard. Mais avant cela, il va explorer les Llanos, vaste plaine alluviale grouillante de vie sauvage qui s'étale au pied des Tepouilles, au bord de l'Orénoque. Ok. C'est une récapture, hein? C'est très grand, hein? Une hembra? Si. Une expérience qui laisse la gorge un peu sèche. Faut pas croire que Maria fasse ça par bravade. C'est une nécessité de son métier car elle a en charge la préservation, entre autres, des anacondas. Et évidemment, comme pour le reste des animaux, pour les comprendre, il faut étudier leur comportement et leur métabolisme. Car il n'y a pas de raison que les reptiles en général et les serpents en particulier, et a fortiori les anacondas, provoquent une telle répugnance et une telle répulsion dont ils ont d'ailleurs été victimes. Car si l'on s'est intéressé avec attention à beaucoup d'animaux, évidemment, la préservation a longtemps ignoré les reptiles qui ont pourtant un rôle écologique majeur et qui doivent au même titre que les autres animaux bénéficier de mesures de protection et de préservation. Bonsoir, on est dans les Llanos qui sont ces immenses plaines et prairies. C'était autrefois un bras de mer qui devait joindre l'océan Pacifique à l'océan Atlantique et qui s'est petit à petit comblé d'alluvions provoquées par l'érosion et la dégradation des deux chaînes de montagnes qui bordent les Llanos, au nord-ouest, la cordillère des Andes, et au sud-est, derrière l'Orénoque, le bouclier guyanais où il y a les fameux Tepouilles. Et puis, ces Llanos ont émergé au-dessus du niveau de la mer pour devenir cette immense plaine qui vit maintenant au gré des périodes d'inondation et de sécheresse. Les Llanos sont sans aucun doute un des sanctuaires les plus exceptionnels pour la vie, exceptionnel en densité, vous le verrez, ça pullule de vie, mais également en variété. On y trouve entre autres des reptiles à foison, serpents, caïmans, crocodiles et d'autres animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Un peu comme au sommet des Tepouilles, sauf qu'ici c'est un sanctuaire, là-bas c'est plutôt un refuge où la vie est plus confinée, mais elle a ignoré superbement le reste de l'évolution depuis quasiment la nuit des temps. Et je dirais que pour lever le voile sur ces fragments les plus anciens de la mémoire de la Terre, deux expéditions parallèles et conjointes par la suite, l'une ici avec Maria, qui est entre autres une spécialiste des reptiles, avec David, qui est ornithologue, et puis les botanistes et biologistes qui, au moment où l'on parle, sont en train de commencer l'ascension des fameux Tepouilles. Está bien? Ya terminamos de procesar al animal, así que por favor, Nicolás y David, me van a ayudar a llevar al animal a la orilla. Ouais. Ouais. Allez. Ok. Yo también. Sí, vamos, aquí no podemos. C'est bon, devant. Me dejan la cabeza para. Ils ne sont pas trop de quatre pour porter le plus grand des serpents.
Comme la biologiste Maria Munoz le fait lors de chaque capture, l'animal a été soigneusement ausculté, mesuré, répertorié et identifié avant de lui enlever la cagoule l'empêchant de voir et surtout de sentir le monde extérieur. Puis il est relâché à proximité de l'eau. Ok. Gracias. Allez. Gracias. Retour à la liberté. Avec l'aide de Ramon, qui connaît les Llanos comme personne, Maria, Nicolas et David partent en quête d'un autre anaconda. Dans la réserve El Cedral, où elle vient depuis 5 ans, Maria a déjà bagué plus de 800 de ces serpents géants qui pullulent dans les marais. Certains, quelle équipe de balises, permettent de déterminer l'étendue de leur territoire et de leur déplacement. Divers prélèvements sont indispensables pour dresser le diagnostic de l'état de santé de chaque animal et établir leur régime alimentaire. Si l'alimentation de l'anaconda se compose à 60% d'oiseaux, il ne dédaigne pas à inscrire à son menu le capybara, le plus gros rongeur existant, ou le caïman. D'une discrétion totale, l'anaconda s'approche du bord de l'eau. Il sait pouvoir piéger dans ses anneaux puissants la proie imprudente ou trop confiante en elle. Chaque animal réagit à sa façon devant l'imminence du danger. Certains oiseaux, comme ce jacana, parmi les plus grandes victimes potentielles de l'anaconda, aime défier le monstre dans une sorte de jeu mortel. Lorsque des oiseaux de différentes espèces découvrent un tel prédateur, ils se regroupent, le harcèlent et le narguent. On a longtemps pensé qu'il signifiait ainsi cette présence à leurs congénères. Certains scientifiques estiment aujourd'hui que ces oiseaux bravent sciemment le danger pour montrer aux autres leur valeur et leur force. Ils prouveraient de cette manière leur capacité de meilleurs reproducteurs. Les becs des plus téméraires ont même laissé des marques cuisantes sur la peau de l'anaconda. Ce caïman connaît la loi des Llanos. Entre reptiles, et malgré sa puissance, il sait qu'il ne joue pas dans la même catégorie. Maria Munoz a repéré un nouveau candidat au recensement. Immobiliser ce féroce prédateur qui terrorise même les caïmans n'est pas sans danger. L'anaconda, s'il ne possède pas de venin, peut d'une détente et de sa force herculéenne broyer un homme dans ses anneaux en quelques minutes. Ya va, está tranquila, ¿ok? Okay. Bueno, hombres, trabajen, vamos. Ok. Está muy tranquila. Un poquito más atrás. No me suelten. Ok, perfecto. Vamos a dejar que se tranquilice.
buen tamaño, ¿no? Ouais. Ok, yo le voy a agarrar la cabeza. Ok. Tú pendiente con la media. Ok. Nicolás, ¿listo? Ouais. Où je la prends? ¿A dónde tiene que...? Attention à toi, él estira, él estira. Él trata de estirar el animal. Tu tentes de tirar el anaconda avec Ramon. En longueur. Oui, en longueur. Les tirer, d'accord. Oui. Ok. Bueno, ya va. Dejamos que se separe este pedazo para que la cabeza quede sola. Hay tiempo. Ok, ¿están listos? On va attendre que la tête soit un peu isolée du corps. Ok, ok. Bien, 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 bien. No me estires tú, Arbu. No, no, no. Ok. Nicolás, para atrás. Okay. Nicolás, para ici. Ajá. Yo je viens là. Bien, bien, bien. Moi, je vais aider Maria devant. Perfecto, más atrás. Yo puedo aquí. Perfecto, vamos. Tú me dices cuando estés listo. Yo no soy. Ok. Ok. Ya va. Ya va. Eso se va a cansar también pronto. Tengo, mira mis manos. Ok. Da. Ya sué. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, con cuidado. Regarde quand même qu'elle ne te morde pas à travers le tissu. Viste la technique, tu as Nicolas? Vu la technique, Nicolas? C'est ouais. Facile. Je préfère être à l'arrière qu'à l'avant. Le prochain anaconda, c'est toi qui l'attrapes, d'accord? Qu'est-ce que tu as appris, Maria, depuis que tu étudies les anacondas que tu ignorais avant? Ils ne sont pas aussi agressifs que je le pensais. Et ils représentent une valeur marchande beaucoup plus importante que je ne le croyais. Bien sûr, ce sont des animaux agressifs quand on les capture pour les étudier, comme nous venons de le faire. Mais ils sont à la fois des proies et des prédateurs. Exactement comme nous. L'homme est le plus grand des prédateurs de l'anaconda. Il les chasse pour faire des portefeuilles avec sa peau. Quelle est la taille maximum et le poids maximum des anacondas que tu as rencontrés dans les Llanos? Celui-ci pèse environ 70 kilos, mais le plus lourd que nous ayons attrapé pesait 98 kilos et le plus grand mesurait 5,30 mètres. C'est toujours très important pour nos travaux de recherche de connaître le poids et la taille des animaux afin de déterminer la dynamique des populations. Nous voulons savoir quelle est la proportion de jeunes, d'adultes et de subadultes, ce qui nous permet d'avoir une idée de la population d'anaconda et de sa vitalité, de savoir si elle est en bonne santé. S'il y a des animaux de cette taille, cela signifie qu'ils se reproduisent. Celui-ci mesure 4,68 m. C'est une grande taille pour un anaconda. 4,68 m, c'est ça? Avec la queue. Bon, je vais prélever un peu de sang. Chez les anacondas, la femelle s'accouple avec plusieurs mâles pendant la saison de reproduction qui a lieu en ce moment, durant la saison sèche. On sait qu'une femelle comme celle-ci peut mettre au monde entre 40 et 70 jeunes, mais on ignore encore si ceux-ci descendent de tous les mâles avec lesquels s'est accouplée la femelle. C'est pour cela que nous prélevons du sang sur la femelle gravide et tous les mâles que nous trouvons alentour. Sept mois après, à la naissance des petits, nous pratiquons aussi une prise de sang sur chacun d'eux. À partir de là, nous pouvons donc analyser la structure ADN de la mère, des pères éventuels et des petits. Et en pratiquant une étude comparative, on va déterminer s'il y a ou non paternité multiple. D'accord. Ce qui est impressionnant, c'est de se dire que c'est un animal particulièrement primitif, car ils sont plus que contemporains des dinosaures. Je crois qu'on date les serpents d'il y a 200 millions d'années. Et ce qui est plus particulièrement impressionnant avec la famille des boïdés, auxquels appartiennent les boas et les anacondas, c'est que ceux-là sont particulièrement archaïques. Et il y a d'ailleurs quelques signes morphologiques qui témoignent de cet archaïsme. Si Maria veut bien me montrer le cloaque, donde está la cloaque? Le cloaque, c'est l'équivalent de l'anus. Voilà. Et alors, voilà. Et de chaque côté ici, il y a deux petites griffes articulées qui sont tout simplement les vestiges de deux fémurs et qui sont un peu l'héritage de l'animal, du reptile
sans doute à quatre pattes, dont ils descendent. Et il y a même à l'intérieur ce qui s'apparente aux reliques d'un bassin, alors que les serpents plus évolués ont perdu ces signes morphologiques. Et une autre chose qui distingue cette famille de serpents, c'est que les anacondas ont deux poumons, alors que les serpents plus évolués n'en ont plus qu'un, et l'autre est totalement atrophié. Voilà un animal qui a traversé les temps sans quasiment évoluer. Voilà un beau fragment, justement, de cette mémoire de la vie et du temps. On va le relâcher maintenant, je pense. Si. No tan rápido, con cuidado. Ah, c'est ok, está bien, está bien. Je vais bien me rendre ma chaussette. Eh? Voilà. Listo. À 300 km à l'est des Llanos, la seconde équipe d'Ushuaïa Nature, partie à la conquête du Cucanan, après deux jours de marche, bataille toujours dans la jungle amazonienne pour approcher la base du Tepuy. Pour Patrick Blanc, l'heure des découvertes végétales n'a pas encore sonné. Et Stéphane Girard enfonce le clou. Patrick, je sais pas pourquoi on est venu là, il y a que des plantes qu'il y a à la maison là. Ah bah oui, bien sûr, Tu attends, tes randonnées, tu dois avoir ce soir, c'est la fougère règle. Ouais. L'est dans le monde entier, c'est l'anti-endémisme, tu vois. On arrive au Cucanan, mais il y a quand même, on va avoir plein d'endémiques en haut. Et ça, il faut savoir que c'est une plante qui colonise tous les milieux dégradés dans le monde entier. L'hémisphère nord, l'hémisphère sud, partout. De partout, c'est quand même. Partout, mais ça, elle est pas pareil quand même, tu vois, elle est plus coriace que chez nous. Bon, enfin, c'est le même espèce quand même, c'est ouais. Le Diomacotina. Ça c'est très resbaladizo la rampe. Ça c'est que tenir cuidado. T'as vu la rampe en fait où on va, t'as juste dessus. Juste derrière là. Ouais, juste derrière. Le problème c'est que y a, tu vois, c'est en train de rentrer dans les nuages. Ouais. C'est pas du tout sûr qu'on puisse voir quelque chose. Ouais. Bah qu'on puisse y aller ici si, parce que le chemin on le verra, mais si ça se trouve ça sera complètement dans le brouillard. Quoi. Malgré les boutades de Stéphane, la végétation des bocasillos, petite forêt basse très dense au bas des tépouilles, offre déjà aux botanistes certains spécimens endémiques. Le plus souvent saturé de l'humidité des nuages et des embruns des cascades, la nature qui reçoit ici en moyenne 12 mètres d'eau par an est étrange et incroyablement exubérante. Attendez quand même deux minutes, là, je sais pas qu'on est. On est un peu en retard, mais enfin là. Regardez, on est dans la forêt, vraiment la forêt moussue, la forêt de brouillard. Bon, en ce moment, il fait beau, mais il faut quand même savoir que 20 heures par jour à peu près, c'est entièrement couvert de brouillard, ce qui explique que les mousses poussent absolument partout. Alors là, c'est intéressant, on est dans une forêt qui est dominée par Ediosmum, là, qui est là, qui est un petit arbre qui ressemble à pas grand-chose, mais qui est intéressant. Mais c'est un groupe très, très ancien. On trouve des pollens depuis le Crétacé, depuis la secondaire. Et donc là, on est face. Tout le monde rêve de trouver des plantes très anciennes sur les tépouilles. Là, on a une plante qui est effectivement extrêmement ancienne. Il faut quand même pas oublier que les dinosaures ont disparu seulement il y a 65 millions d'années. Donc ils ont dû manger pendant au moins 50 millions d'années ce genre de plantes, quand même. Que ça dépasse mais de loin ce que j'espérais. Genre, au point de vue diversité, je crois que c'est un des plus extraordinaires paysages botaniques que j'ai vu jusqu'à présent. Plus on approche de la base de ces forteresses naturelles surplombant la forêt, mieux on comprend pourquoi elles sont restées inviolées si longtemps. Humboldt, au début du siècle dernier, mentionne dans ses comptes rendus d'exploration l'existence de ces monstruosités minérales. Mais il ne s'en est jamais approché. C'est seulement à la fin du siècle dernier que le botaniste anglais Everard Impthern parvient au sommet d'un tepuy. Il évoque alors un monde perdu, peuplé de créatures antédiluviennes. Chimère ou réalité? On a l'altitude, tout ce qui devient rapide. Regarde, c'est là, c'est encore plus petit. Ouais. L'ascension du Cucanan est très physique. De nombreux passages délicats exigent de s'encorder. Sous les pieds des grimpeurs,
Plus de 1500 mètres de vide et de parois quasi verticales. Stéphane Girard et son équipe d'alpinistes et de spéléologues professionnels sont de toutes les expéditions où soit la nature, nécessitant l'escalade d'une montagne ou la descente dans un gouffre. Ses équipiers et lui veillent au grain, encouragent et assurent la sécurité des moins expérimentés. Trois jours de marche et d'escalade ont été nécessaires à l'expédition pour contempler enfin l'inquiétante majesté de cette autre planète. Ah bah oui. Au sommet du Tépouille, la magie du spectacle justifie tous les efforts. Ils ont une solennité de porte de quelque chose. De quelque chose d'inconnu et de terrible, a écrit le romancier cubain Alejo Carpentier. On comprend aisément pourquoi la vue de ces grands plateaux tabulaires a fait rêver des générations d'aventuriers et d'explorateurs venus de tous les horizons. Les premiers les imaginaient couverts de diamants, les seconds de dinosaures cachés derrière les brumes tourbillonnantes. D'humidité, les sommets des Tépouilles, vieux de 16 millions de siècles, en sont saturés à longueur d'année. Seule l'agitation des majestueuses cascades saignant les falaises vient troubler cet univers comme frappé de tétanie. Mémoire de la Terre, les Tépouilles ont contribué à la formation des Llanos, nés il y a 20 millions d'années. Ils sont aussi d'importants pourvoyeurs en eau du Grand Orénoque. À la saison des pluies, le fleuve charrie toutes celles tombées sur la forêt équatoriale et sur les Tépouilles. Lorsqu'il parvient au milieu du pays, son débit est maximum. Il est incapable d'ingurgiter les eaux des rivières descendues des Andes. Alors, le bassin de l'Orénoque, qui couvre les deux tiers du Venezuela et surtout les Llanos, s'inonde lentement mais sûrement sur des milliers de kilomètres carrés. La saison humide, de mai à octobre, est pour la nature une renaissance. L'alternance très marquée des saisons a été comparée par les poètes locaux au cycle de la vie et de la mort. Mais les Llanos s'assèchent aussi vite qu'ils s'inondent. Les points d'eau rétrécissent à vue d'œil, piégeant des milliers de poissons. Une aubaine alimentaire pour les populations d'oiseaux multicolores et toutes les espèces animales ayant programmé leur cycle de reproduction en fonction de la surabondance momentanée de la nourriture. Au plus fort de la saison sèche, les Llanos, foudroyés par l'aridité, se transforment en désert. La terre des cuvettes, craquelée par la chaleur torride, devient un piège mortel pour les animaux qui n'ont pas su fuir à temps.
quand même l'animal emblématique des Llanos, hein, le capybara, le plus grand rongeur du monde. Sa répartition géographique, on le trouve essentiellement dans les zones humides d'Amérique du Sud. Tout à fait, on le trouve ici dans les Llanos à forte densité. Ici, par exemple, il y en a entre 12 et 13 000 individus avec eux sur la range de Cédral. Et on le trouve également plus au sud, dans l'Amazonie, vraiment dans la jungle épaisse. Mais l'animal beaucoup plus rare en forêt. Il y survit très bien, mais il est beaucoup plus rare. Et alors, ils ont une adaptation à l'élément aquatique, je ne vais pas dire quasi parfaite, mais enfin, tous leurs les principaux sens ont été juchés au sommet de la tête. Complètement. Hein ? C'est-à-dire qu'ils ont les narines, les oreilles et les yeux bien au-dessus du crâne, ce qui leur permet, un peu comme les hippopotames, de ne laisser paraître que le bout du museau et des oreilles. On dit un peu que c'est l'hippopotame d'Amérique du Sud. Il y a pas mal de... la théorie des correspondances. Ouais, 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 de la convergence évolutive. Ouais. Voilà. Ouais. Ce qui est très caractéristique aussi des capybaras, c'est qu'ils ont pour les mâles deux glandes, les femelles une seule. Le mâle a une glande sur le sommet du museau et une glande sur le postérieur. Et que ces glandes leur servent beaucoup pour communiquer, ce qu'on appelle un peu le langage chimique. Exactement. Mais on retrouve ça chez d'autres animaux, d'ailleurs. On l'a senti chez l'anaconda aussi. Oui, ça... Et les odeurs sont essentielles dans la communication, la prévention, la territorialité des animaux. Et on a presque du mal à se l'imaginer, parce que nous, humains, on a tellement l'habitude que notre monde soit un univers de vision et de son. Et on a beaucoup perdu par rapport aux autres mammifères de la capacité à sentir. Là aussi, on peut voir des belles associations d'espèces, hein, ce qu'on appelle le mutualisme, hein, c'est des échanges à bénéfices mutuels. Et il y a des petits oiseaux qui profitent un peu du capybara pour se balader sur leur dos. Alors, je pense pas que ça soit pour... par paresse, c'est parce que c'est un beau poste d'observation. Et puis, ça permet à la fois de débarrasser le capybara d'un certain nombre de parasites. Autre chose, c'est que le capybara, en marchant, il peut remuer la terre. Il y a des insectes qui peuvent, du coup, devenir visibles pour les oiseaux. J'ai un petit caïman qui est en train de nous regarder de près. Je jette un œil quand même sur l'eau parce qu'on s'habitue, évidemment, à tout. Mais il faudrait pas tenter le diable. Ouais. Et... Même avec les capybaras, parce que les capybaras, même s'il est très calme et très placide, voire léthargique en ce moment à cause de l'excès de chaleur en saison sèche, c'est aussi la saison de reproduction. Les mâles, ils sont truffés de testostérone. S'ils l'ont mauvaise aujourd'hui, ils pourraient à n'importe quel moment se retourner et nous charger. Le clan des longues dents coule des jours heureux. Ce curieux animal n'a qu'un seul problème. Son aspect dodu et ses 50 kilos en moyenne ouvrent l'appétit de ses prédateurs. Si un danger se présente, caïman, jaguar ou grand serpent, le premier capybara alerté aboie pour prévenir ses congénères. Avec les oiseaux, la cohabitation est idyllique et l'on se rend mutuellement de petits services. Blessé au flanc, ce capybara serait sans doute déjà mort de gangrène si le volatile ne nettoyait pas régulièrement sa plaie envahie par la vermine. Terre jeune, les Llanos accueillent paradoxalement un bestiaire exceptionnel d'animaux parmi les plus vieux de la création. On y dénombre entre autres environ 300 espèces d'oiseaux et l'on y observe surtout une densité d'individus rarement égalée. Les mammifères n'ont pas été oubliés dans le peuplement de cette arche de Noé. Opossums, fourmiliers géants, tapirs, paresseux, tatous, singes hurleurs, loutres géantes et quatre espèces de félins taillent à belles dents dans ce coffre-fort animalier peuplé par les crues saisonnières. 11 espèces de reptiliens se complaisent dans les marécages, les rivières et les fleuves. Moins impressionnant que le boa constrictor, caméléons et iguanes arpentent les arbres et les rives des marigots pour chasser les nombreux insectes attirés par l'eau.
Nicolas Hulot et David Rosanne observent attentivement les arbres à la recherche d'un drôle d'oiseau primitif endémique à cette région d'Amérique du Sud. Voilà, on est entouré d'oadzines. Il y en a un petit groupe ici, il y en a 6 là. À peu près une trentaine là-haut. On a l'impression d'un oiseau qui a fait la fête parce qu'il a les plumes complètement ébouriffées sur le sommet du crâne. D'où son nom latin, celui qui porte des longs cheveux derrière. Le nom latin, c'est Opisthocormus oadzin. Oadzin, c'est déjà suffisamment compliqué à retenir. Et alors, lui, il a donné, il donne encore du fil à retordre aux scientifiques dont la spécialité est d'essayer de classer par genre et par filiation l'ensemble des êtres vivants. Et là, l'oadzin est une énigme évolutive qui a donné lieu à beaucoup d'hypothèses parce qu'on a été jusqu'à dire, et on ne l'a ni confirmé ni infirmé, que c'était presque le chaînon manquant entre l'archéoptérix, ouais, qui est un oiseau directement dérivé des dinosaures, et les oiseaux. Et on en veut pour preuve, je dirais morphologique, que à l'extrémité des ailes, les jeunes oadzines ont des griffes, c'est ça ? Deux griffes, qui perdent quand ils vieillissent. Ils perdent au bout de 2 mois. L'archéoptérix, qui vivait il y a 150 millions d'années, lui, il en avait 3. Et ce qu'on sait aujourd'hui, grâce aux études génétiques les plus poussées, c'est qu'il y a un ancêtre commun avec les coucous. Mais comme sa lignée est ancienne, l'oadzine a eu beaucoup de temps pour partir un peu à la dérive sur son propre chemin évolutionnaire, pour finir oiseau divergent aujourd'hui, à l'anatomie et à la physionomie complètement hors normes, et à un régime alimentaire et un mode de digestion, oui, parce que qui c'est, est unique pour les oiseaux. C'est le seul oiseau au monde qui soit un ruminant. Il y a des oiseaux qui mangent des feuilles, notamment la gelinotte en France. Mais ce qui rajoute à son originalité, c'est qu'il est effectivement le seul oiseau au monde à avoir un système ruminant au niveau de l'appareil digestif, au même titre que le kangourou, le mouton ou la vache. Ils vivent toujours en groupe comme ça ? Oui, mais comme ils volent très mal, ils sont contraints à cette vie sociale le long des fleuves dans les Llanos. Et ce qui fait encore une originalité, l'oiseau social le plus spatialement restreint de la planète. C'est un oiseau qui va un territoire de quelques kilomètres carrés. Il n'en bouge pas toute sa vie. Dans cette forêt-galerie, l'oadzine n'est pas le seul à être issu de lignées très anciennes. D'autres animaux tout aussi archaïques partagent son territoire. Hola Ramon. Ah Nicolas, comment estás? ¿Qué tal? Bien? Bien. ¿Cómo le va? Vamos con on y va en canoë à moteur? Non, vamos. Non, on y va à la rame. Pourquoi? Non, pour tranquillité. Parce que c'est plus silencieux puis que ça fait pas fuir les animaux. On va t'aider? Non, t'inquiète pas. C'est bon. Il veut pas qu'on l'aide? Bon, on va tout comme ça. Nous, on va pouvoir regarder tranquille. Dans les Llanos, la vie est omniprésente, le danger aussi. Hormis ces reptiles, sous la surface de ces eaux, rôdent des piranhas pouvant atteindre 2 kg, des raies venimeuses et des poissons électriques capables de foudroyer un buffle. Ici, ce qui est visible n'est pas forcément le plus à redouter. C'est incroyable parce que, quel que soit l'endroit où Ramon pose sa perche, il y a toujours une bestiole qu'on dérange. Là, on est précédé par 2 petits caïmans qu'on appelle les babas, hein, c'est ça? Ouais, regarde, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste à droite, là. 6 caïmans à l'exemple. Là, des Llanos. Flopée de tortues. Ah, il y en a au moins 200 là. Facile. Alors ça, c'est des tortues
Ce sont les... Ici, on les appelle les Galápagos. Et c'est une tortue, donc, qui atteint de très fortes densités ici, dans les Llanos, parce qu'elle est vraiment protégée. Ici, à Cedral, on est en réserve naturelle. Ce qui est fou, c'est de voir qu'elle cohabite, enfin, en apparence, parfaitement avec les caïmans. Et je pense que le fait qu'elle se mette en ombre et en colonie comme ça, c'est une défense, non? Et une sublime stratégie de regroupement. Plus on est Dieu à regarder autour de soi, plus on a de chances de voir venir un prédateur, un anaconda, même chez les oiseaux, un rapace, un gros reptile du type caïman. Et on part du principe, quand on est deux, on a une chance sur deux de se faire manger. Quand on est 50, on a une chance sur 50. Et quand on est 1 sur 300, on a une chance sur 300, donc de se faire manger. Une des explications qui fait que dans les Llanos, mais aussi dans le Pantanal, et dans l'Amérique du Sud, notamment le nord de l'Amérique du Sud en particulier, on trouve des lignées d'animaux très anciennes, c'est que l'évolution ici s'est faite sans heurts radicales, parce que quand il y a eu soit des changements climatiques, soit des changements géologiques, il y a toujours eu des forêts-refuges dans lesquelles la vie a pu se maintenir et continuer son évolution. Complètement. Il y a eu deux choses. Il y a eu, donc, lors des dernières glaciations, des forêts-refuges le long des Tepuy, le long des Andes. Il y a, au même titre, eu des savanes inondables et pleines alluviales de type Llanos qui ont servi de refuge aussi et qui ont permis à des animaux aussi archaïques que les caïmans, les crocodiles, même chez les oiseaux, le cormoran, l'ibis, les cigognes, la spatule, les hérons, les rapaces, des souches d'oiseaux qui existent depuis entre 50 et 70 millions d'années, de s'épanouir encore aujourd'hui dans les temps modernes. Nicolas, une spatule rose, juste ici, derrière toi. Il y a quelque chose d'assez particulier dont on ne se rend pas compte immédiatement au Llanos et qu'on réalise après, c'est la proximité avec laquelle on peut approcher les animaux et le peu de crainte qu'on leur inspire. Il y a peu de territoires au monde où l'on peut rencontrer des animaux qui n'ont pas vis-à-vis de l'homme un sentiment ou une envie de fuite immédiat. Sans doute parce que depuis très longtemps, ils ont perdu, en tout cas dans leur gène, le fait que l'homme pouvait être pour eux un animal dangereux, car ici la chasse a été pour le moins mesurée. Là, les caïmans ou les oiseaux, on pourrait pratiquement les toucher si on le désirait. Ouais. Incroyable celui-là, il va grimper sur le plateau. Il est monstrueux. À un moment, tu te demandes si... Mais Ramon, il les connaît bien, ça va. Au dire de Ramon, l'homme n'a pas trop à craindre des caïmans. On ne peut pas en dire autant de ce crocodile de l'Orénoque sous son camouflage de nénuphar poussant sur sa cuirasse. Parmi les 22 espèces de crocodiliens, celui-ci existe sur la Terre depuis 200 millions d'années. Il peut atteindre 6 à 7 mètres de long et fait partie des plus féroces. Lorsqu'Humboldt a exploré l'Orénoque, il avait évalué leur nombre à 2 millions. Chassés pour leurs œufs et leur peau, il n'en resterait aujourd'hui guère plus de 2000 dans tout le bassin. À Massaguaral, non loin de l'endroit où se trouvent Nicolas et David Rosanne, Maria Munoz mène un important programme d'études sur les grands crocodiles endémiques à cette région, en vue de leur réintroduction progressive et quantifiée dans les Llanos. Le premier travail de Maria et de ses assistants est d'immobiliser momentanément cette femelle pour pouvoir récupérer ses œufs et les faire éclore à l'abri des prédateurs potentiels, y compris de leur propre père. Prisonnière, la femelle se débat furieusement et le mâle en profite pour l'attaquer. Dans le monde des crocodiles de l'Orénoque, l'esprit de famille n'existe pas.
No, vamos a dar el pelo seno. Maria prélève délicatement les œufs enfouis sous une trentaine de centimètres de terre. Elle les marque, estime leur viabilité en fonction de leur poids et de l'aspect de la coquille, pendant que son assistant contient les attaques toujours possibles et fulgurantes du mâle à l'affût. Maria transfère ensuite sa précieuse récolte dans les bacs de la salle d'incubation où l'hygrométrie et la température sont maintenues à un niveau idéal. Dans 80 jours, les petits crocodiles briseront leurs coquilles. À la naissance, les bébés crocodiles mesurent quelques centimètres. Ils sont déjà la réplique miniature de leurs redoutables parents. À peine sortis de l'œuf, la viande fait partie de leur régime alimentaire. À cet âge dans la nature, les jeunes sauriens sont des proies faciles et goûteuses pour les aigles, les caïmans, les serpents et leurs propres congénères adultes. Mais petit crocodile deviendra énorme. Il n'aura alors plus rien à redouter de personne, hormis des braconniers. La vie, pour prolifique qu'elle soit dans les Llanos, n'est pas un long fleuve tranquille pour ses habitants. Seuls les plus robustes, les plus forts ou les plus malins survivent. Voilà, il est perché là-haut maintenant, et là il va prendre son temps pour dévorer le piranha. Ça c'est la buse à tête blanche. Et ce qui est assez étonnant quand on observe les oiseaux, c'est de voir que s'ils partagent le même garde-manger, ils ont développé des modes alimentaires totalement différents. Et c'est pourquoi ? C'est pour cohabiter plus pacifiquement, de ce fait ils ne sont pas en compétition ? Disons chacun essaye d'évincer l'autre, et au fil de l'évolution on aboutit à des formes, des tailles d'oiseaux, des formes de bec différentes les unes des autres selon les espèces. Ouais, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'alimentation pour tous les animaux, c'est essentiel. C'est l'objectif principal. Ouais. Donc ça a conditionné évidemment des adaptations. Mais alors c'est particulièrement probant chez les oiseaux, car ici on prend 7, 8, 10 oiseaux, il n'y en a pratiquement pas un, je dirais, ouais, qui chasse ou qui pêche de la même manière. Je dirais même plus que sur les 294 espèces qu'on a ici dans les Llanos, dans la cédrale, je veux dire, une espèce sur 6 se nourrit de poissons. Hein, ça fait à peu près 40, bon, disons presque 50 espèces qui se nourrissent de poissons. Et s'ils arrivent à coexister pacifiquement autour de cette même ressource alimentaire, c'est que, mettons le jabiru, il va se nourrir de poissons, de grenouilles et de choses un peu plus gros, alors que les petites aigrettes, comme le héron strié, l'aigrette bleue, l'aigrette neigeuse, vont s'attaquer à des proies plus petites. D'autres oiseaux vont chasser la nuit avec un bec plus long, alors que d'autres vont chasser le matin avec des becs plus courts. Chacun a sa petite niche écologique. Et chez les martins pêcheurs, qui sont pas des échassiers, mais des oiseaux mi-terrestres, mi-aquatiques, se postent à l'affût, comme ça, le long des cours d'eau, très patiemment, et dès qu'un poisson passe, hop, plonge. Alors, il y a éventuellement le cormoran qui, lui, nage, et puis qui va aller faire un peu de prospection subaquatique. Ils peuvent plonger assez loin, et lorsqu'ils remontent et que la pêche est bonne, généralement, c'est communiqué aux autres. Et là, on assiste à des rassemblements de cormorans qui convergent vers ce lieu de nourrissage. Et là, ils vont partager le butin.
Et puis il y a ceux qui fouillent, qui ont plutôt une recherche tactile que visuelle. Les ibis, il y a 8 espèces d'ibis et de spatules ici. Et effectivement, ces oiseaux-là ont au bout de leur bec, que ce soit un bec aplati et rond en forme de cuillère comme la spatule, ou un bec fin et courbe comme l'ibis, ces oiseaux ont des terminaisons nerveuses très très sensibles au bout du bec et les narines perchées ici, en haut du bec. De manière à ne pas s'étouffer. De manière à ne pas s'étouffer lorsqu'elles sont lavées. Et les spatules d'ailleurs, il y a un groupe là, ce qui est assez caractéristique, c'est de voir la manière dont ils fouillent ou brassent la vase. Et ça paraît être un mouvement anodin comme ça, mais en fait c'est un mouvement très sophistiqué, au très point d'ailleurs que les mathématiciens ont étudié ce mouvement et se sont rendus compte que ce mouvement-là créer un vortex, c'est une sorte d'aspiration. Ouais, ça faisait remonter les micro-organismes et voilà. Après ils peuvent s'en nourrir. Et alors, dans les outils assez performants, il y a celui du bec en ciseaux aussi. Oui, alors là, c'est une merveille de l'adaptation, au même titre que les pinsons de Darwin des Galapagos. Ce qui se passe avec le bec en ciseaux, c'est que la mandibule du bas est plus longue que la mandibule du haut. D'accord. Donc le bec en ciseaux, volant en petits groupes, vont voler au ras de l'eau, comme ça, en rase-motte, et plonger la mandibule du bas dans l'eau et racler la surface comme un socle. Et dès qu'elle sent un poisson, tac, elle referme. Voilà. L'imitation était pas mal. J'ai remarqué que certains scientifiques finissent par céder au mimétisme avec les animaux qu'ils observent. Eh bien, on devient un peu animal, oui. Un endroit comme les Llanos, c'est indispensable à la survie d'oiseaux qui nichent en Alaska, hein, des petits becassos, des choses comme ça, et qui hivernent en Argentine. Où est-ce que ces oiseaux vont s'arrêter pour se nourrir, pour pouvoir repartir et franchir ces énormes distances dans les Llanos? Mais toutes les zones humides, y compris les estuaires, sont parmi les zones les plus riches écologiquement qu'ils soient. Et c'est vrai à l'échelle de grands bassins comme ici, et c'est vrai aussi pour des petits estuaires qu'on a tendance en général à réduire, voire à bétonner ou à endiguer, et sur un plan écologique c'est toujours un désastre. Successives. On a des centaines d'ibis. Très très loin. Tous les soirs, c'est le même cérémonial, c'est-à-dire que les oiseaux se regroupent pour dormir dans ce que l'on appelle des dortoirs, comme ici. Alors, il y a une chose qui est très caractéristique, c'est que toutes les espèces ne se mélangent pas. On voit bien derrière cet arbre sans feuilles qui sert de dortoir pour des oiseaux spécifiquement blancs. Ça, c'est un dortoir de héron garde-bœuf. Ouais. Ici, on a donc des ibis rouges et noirs. Des ibis blancs, des aigrettes neigeuses, des ibis noirs et quelques grandes aigrettes et des cormorans. C'est marrant d'ailleurs la couleur des ibis rouges écarlates, qui est une couleur provocante, alors que normalement, dans la nature, on essaie plutôt de se faire discret. Généralement, les animaux sont experts dans l'art du camouflage. Oui. Et là, on a l'impression qu'à l'inverse, on a pris la couleur la plus frappante. À partir du moment où un oiseau peut s'envoler d'un danger, il peut se permettre d'être coloré, il peut se permettre de chanter. Et c'est ce qui explique, en grande partie, les couleurs qu'on trouve chez les oiseaux, comme
Et c'est un signe de ralliement et d'identification. Ça permet aux autres ibis rouges. Si c'est exagéré chez les ibis, ça permet effectivement à des groupes d'ibis de signaler à d'autres ibis qui sont donc sur cette savane immense de se trouver et de se voir de loin. Et alors, ce que l'on entend ici, qui va aller s'atténuant au fur et à mesure que la nuit va arriver, c'est la mise en place de tout ça. Hein. Des cris d'apaisement. Chacun trouve sa place. Et ça participe forcément, ces dortoirs, de ce qu'on pourrait appeler la cohésion sociale. Complètement. Des espèces. C'est-à-dire qu'en gros, on doit se raconter un peu ce qu'on a vécu dans la journée et délivrer peut-être les points d'information, il y a à manger là, etc. Oui, c'est la théorie en cours, c'est que ces dortoirs servent aussi de centre d'information et les groupuscules qui sont partis pendant la journée, eh bien, le lendemain, vont se partir différemment selon les meilleurs points de nourrissage. Et alors, ils dorment vraiment, les oiseaux? Ou c'est une veille? Non, ils dorment. Et comment ils font pour pas tomber? Ils ont les pattes qui se bloquent automatiquement une fois qu'ils sont perchés. Ils n'ont pas de soucis à ce niveau-là. Ben, on va les laisser se coucher. En passant devant le delta de l'Orénoque, Christophe Colomb a dit: au bout de ce fleuve se trouve l'Eldorado. Le trésor du Venezuela est bien là, mais il diffère de celui qu'imaginait le grand navigateur. Il n'est fait ni d'or ni de pierres précieuses, mais d'une biodiversité extraordinairement épanouie et envahissante, installée là depuis 20 millions d'années. Ces grandes parois verticales prises d'assaut par la forêt tropicale. On a laissé derrière nous les llanos et maintenant nous voilà au sud-est du Venezuela. On est en train de naviguer au-dessus d'un des socles géologiques les plus anciens de la planète, le bouclier guyanais. Et au-dessus de ce bouclier guyanais, ces immenses mégalithes dressés vers le ciel que l'on appelle les tepuis dans le langage Pemon, ça veut dire ces montagnes à la surface aplatie, ces citadelles du temps, perchées dans le ciel, protégées tant par leur verticalité que par ces épais nuages qui en font un monde totalement perdu. Les tepuis, sans doute un des endroits les plus inaccessibles et les plus étranges de notre planète, au carrefour du Brésil, du Venezuela et de la Guyane. Ah, évidemment, avec les nuages juste en dessous de l'hélicoptère, on risque de passer au Brésil sans s'en rendre compte. Et il faut toute l'expérience et la connaissance d'un pilote comme Raoul, parce que n'importe quel pilote ici renoncerait tant la visibilité est mauvaise et surtout tant il est facile de se perdre. Et nous allons trouver une petite percée pour aller rejoindre justement l'équipe avec Patrick Blanc et Cynthia Estener, le botaniste et la biologiste de notre expédition. Vous êtes vraiment perché dans les nuages, au-dessus des nuages. Là, tu vois les restes de la pluie d'il y a quelques heures, même pas, c'était il y a 2 heures. Et autrement, pour les plantes, c'est le bonheur. Tu vois, là, regarde, juste devant toi, déjà, Orectante et Septrum, une endémique des tepuis de l'Est, tu vois. Le cours magistral démarre. Non, mais j'aimerais dire qu'on nage, la moindre plante est passionnante, c'est vraiment... On peut se prendre un café chez vous? Ah oui. Allez, on y va.
quel décor, il y a une ambiance ici. Oui. Rares sont les hommes ayant pu accéder au sommet du Kukenan. Plus rares encore sont ceux qui ont plongé dans les entrailles de ce porte-avions de pierre au cœur du plus perdu des mondes perdus. C'est ce que vont faire Nicolas Hulot et l'équipe d'Ushuaïa Nature. Avec un cheveu sur la langue, le navigateur Amerigo Vespucci l'avait appelée la petite Venise. Mauvais jugement. Le Venezuela est grand comme deux fois la France. Nicolas Hulot a rejoint le botaniste Patrick Blanc et l'équipe d'Ushuaïa Nature sur le Tepuy Cucanán. La platitude du sommet n'est qu'illusion. Sa surface, torturée par l'érosion depuis des centaines de millions d'années, transporte l'explorateur sur une autre planète. Statue, temple ou mirage minéral? Rien de tout cela. Les formes fantastiques peuplant le haut des tépouilles résultent de l'inexorable dégradation de la roche. Mais il est parfois difficile aux esprits les plus réalistes d'attribuer ce qu'ils voient à la seule civilisation du vent. C'est fou, hein. C'est un paysage qui peut laisser personne insensible. Hein. Dans les paysages minéraux, c'est quand même un des trucs les plus époustouflants qu'on ait rencontré. On a l'impression que j'ai une espèce de similitude avec les Moai, qui sont ces sculptures qu'on trouve à l'île de Pâques. Et là, on a vraiment un visage. On a les yeux, le nez, la bouche. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois un paysage comme celui-là. Non, ça, les Tepuy, c'est un monument artistique autant qu'un monument naturel. Ouais. C'est incroyable. Et autant que possible de ne pas marcher sur les plantes. Oui, ça. C'est sans doute un des décors les moins terrestres qu'on puisse rencontrer sur notre planète. Et on est sur des sols très anciens. Il faut quand même rappeler que le bouclier guyanais dans son ensemble. Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Qui est tout en dessous. En dessous. Plusieurs milliers de mètres en dessous. Ouais. Lui est, on ne va pas dire quasi contemporain de l'époque de la formation de la Terre, mais pas loin. Un milliard d'années près, hein, puisqu'il il a commencé à se former il y a 3,6 milliards d'années, donc on n'est pas loin du début de la formation de la Terre. Et selon l'hypothèse la plus admise, la plus récente par la communauté scientifique, ce qui est quand même assez étonnant, c'est une vue de l'esprit qui est assez plaisante, lorsque la Lune s'est formée, elle se serait formée par la collision entre la Terre en formation et une astéroïde qui faisait à peu près 10 fois moins que la masse de la Terre. Collision qui s'est faite tangentiellement. Sinon, évidemment, le résultat aurait peut-être été beaucoup plus désastreux. Et cette collision s'est faite sur l'ancien continent qu'on appelait le Gondwana. Oui. Qui est encore à cette époque-là la Pangée, puisque le Gondwana, c'est la partie sud de la Pangée. C'est le fragment sud de la Pangée. Et que les trois vestiges du Gondwana, les trois socles, c'est en Australie, Ayers Rock, en Afrique du Sud, le Carreau. Et ici, en Amérique du Sud, le bouclier guyanais. Donc le point d'impact est l'endroit où auraient été arrachés superficiellement les matériaux qui ont partiellement fabriqué la Lune. Eh bien, c'est ici. Mais beaucoup plus au fond, puisque ça sont des roches qui ont été formées depuis. Oui, puisque là, on est sur que c'est toute une couverture sédimentaire qui viendrait en fait de vents très violents de l'est du Gondwana, qui aurait donc érodé d'autres roches encore plus anciennes et qui aurait accumulé en toute cette zone du bouclier guyanais sur plusieurs milliers de mètres des sédiments, donc des sables. Donc là, on n'est pas du tout sur une intrusion marine, mais sur une action du vent qui a formé des sables. Et c'est après les sables, bien sûr, qui sont consolidés en grès, puisqu'on est sur des grès, avec l'eau, les percolations d'eau, les variations de température. Et ce qui est amusant, c'est que maintenant, le sable qu'on voit, c'est un retour du grès qui, sous l'érosion, redevient sable, comme c'était il y a 1,5 milliard d'années à peu près. C'est le cycle infini du minéral. Et ce qui est fou, c'est que c'est un peu ce sable qui a participé au comblement des Llanos où nous étions précédemment.
Mais Nicolas, on voit bien tout le principe d'érosion avec les, la couche d'algues bleues là, en surface. Et c'est ça qui, en fait, s'insinue entre les roches et la fragmente. Et là, on a un fragment, voilà. On voit très, très bien la couleur rose pâle de la roche. Et qu'est-ce qu'on voit en plus? Tu vois, il y a un petit peu d'humus. Et d'où il vient l'humus? C'est qu'en fait, sous la roche, grâce aux algues bleues qui se sont accumulées, elles ont fait elles-mêmes un humus. En plus, elles ont dégradé la roche, donc elles ont mélangé le sable qui a été créé. Les mousses s'installent, tu vois, on voit les mousses qui sont vertes. Et c'est comme ça que le sol se crée. Et tu regardes, tu vois, là, par exemple, partout, dès que tu as un abri, tu as le sol qui se crée et les plantes qui s'installent. Ouais, c'est incroyable de voir comment la vie se satisfait à elle-même ici. Elle crée elle-même son propre sol. Totalement. Les algues, elles sont arrivées comment ici? Par le vent? Le vent, c'est des spores minuscules. La première colonisation. Ah oui, et puis... En plus, elles, les algues bleues, ce n'est même pas des plantes, ça se rapproche des bactéries, les plus anciens qui soient. Donc on est sur des roches très anciennes qui sont elles-mêmes fragmentées par un groupe biologique extrêmement ancien. C'est le premier groupe vivant apparu sur Terre. Ça, c'est la forme la plus primitive quasiment de vie. Oui, c'est des bactéries, quoi, des bactéries qui font la photosynthèse. Et donc, ce qui fait que les roches autour de nous ont cette coloration foncée, c'est les algues. C'est pour ça que quand on a volé tout à l'heure en hélicoptère le long des grandes falaises qui sont très ravinées, là, le grès retrouve sa couleur rose. Voilà, c'est ça. Dans ce champ minéral battu par les éléments, lessivé par les pluies incessantes, malmené par d'importantes amplitudes thermiques, parfois 40 degrés en quelques heures, la vie a fait son nid et s'est adaptée aux conditions extrêmes. L'eau sur les tépouilles est abondante, mais déminéralisée. Les végétaux aquatiques ont peu de tissu de soutien et se nourrissent de peu de choses. Ils captent alors leurs nutriments par tous leurs organes, par leurs racines, bien sûr, mais aussi par leurs feuilles. L'adaptation à la grande pauvreté du sol a conduit certaines espèces végétales à évoluer vers l'état de plantes carnivores. Comme ces droséras sur les poils desquels moucherons, pucerons et fourmis viennent s'engluer. Piège différent, mais tout aussi efficace pour ces énormes élianphoras parés de couleurs violentes pour mieux attirer les insectes. Quant à la réserve d'eau de ce broquignia de la famille des ananas, elle s'est ici enrichie d'enzymes pour digérer ses proies. Si le sommet du Kukanan est riche en plantes endémiques, la faune y est plus limitée. Cynthia vient pourtant de repérer dans le cornet de ce broquignia une petite mygale bien vivante. En fait, cette araignée a élu domicile dans l'entonnoir pour mieux voler les petits insectes que la plante avait capturés pour elle. Ni cette grenouille, ni ce mille-pattes ne s'aventureront probablement jamais hors des frontières de leur univers. Car si certains tépouilles, plus accessibles, permettent un échange de vie entre le haut et le bas, la verticalité des parois du Kukanan l'interdit. Ah, Nicolas, tu vois là, une superbe prairie. Stégolepis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as deux genres qui évoquent vraiment à merveille l'évolution sur les tépouilles. C'est pour les herbacées, le genre Stégolepis, et pour les arbustes, le genre Bonnetia. Chacun de ces genres a à peu près une trentaine d'espèces. Et ces 30 espèces sont bien sûr réparties sur les différents tépouilles. C'est-à-dire que sur un tépouille, tu ne trouves pas la même espèce que sur l'autre. Tu imagines bien qu'ici, à ces altitudes-là, quand ça devient plus froid et plus sec, toute la végétation disparaît et elle descend progressivement dans la grande savana. Puis quand le climat redevient plus humide et plus doux, cette végétation remonte, mais du fait qu'elle se déplace comme ça, en reprenant pas forcément les mêmes chemins, s'entraîne des évolutions par isolement d'un tépouille à l'autre. Donc on a comme ça ces 30 espèces qui sont vraiment des plantes nouvelles. Là, autant on voyait dans certaines zones des groupes très anciens, autant là on a un endémisme mais lié à des plantes qui sont apparues récemment lors des fluctuations climatiques. Donc on a vraiment un véritable laboratoire d'évolution. Ouais, mais alors, ce qui est vraiment démonstratif ici, c'est que ce qui caractérise les tépouilles, c'est le taux d'endémisme. Ah oui, très on appelle l'endémisme, pour ceux qui l'ignorent, c'est le fait de trouver un animal ou une plante dans un lieu précis et nulle part ailleurs. Voilà. Alors on peut avoir un endémisme à l'échelle d'un continent, par exemple on peut trouver une plante uniquement sur le continent américain, mais on peut avoir de l'endémisme dans un confinement plus important, local, comme c'est le cas au sommet des tépouilles. Et ici, il y a
L'endémisme est dû à un double isolat. Il y a le fait qu'il y a l'isolat en altitude par rapport au reste de la savane ou de la forêt, et puis il y a les isolats d'un tépouille à l'autre. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que souvent quand les gens pensent que plante endémique veut dire plante rare, non, endémique veut dire d'un lieu, parce que les gars, ils sont par milliers, les stégolépis. Ici, elles sont pas rares par rapport au lieu. Voilà. Mais il faut quand même venir ici pour les, pour les voir. Exactement. Au pied des falaises, la température est de 20 degrés supérieure à celle régnant au sommet du Kukanan. La jungle amazonienne, plus grande usine chimique de la planète, étale l'exubérance de sa vie végétale et animale. David Rosan, ornithologue à la Cornell Université de New York, n'a pas accompagné Nicolas au sommet du Kukanan. Dans le bassin de l'Orénoque, il a rejoint le théâtre de verdure de ses recherches. Il travaille depuis 3 ans en Amazonie, et plus précisément ici, depuis 1 an et demi, sur le territoire des Indiens Yekwana, pour tenter de découvrir comment les oiseaux se soignent et se défendent contre les parasites et les prédateurs. Ce tout nouveau champ de recherche impose de solides connaissances de l'ensemble du milieu naturel, car la nourriture des oiseaux se révèle être le relais biochimique de leur défense. Dans la forêt, l'approche des oiseaux est souvent difficile. Pour les attirer et les capturer afin de les étudier, le mieux est de connaître leur chant. Pour cela, l'aide des Yekwana est indispensable. Peuple de chasseurs-cueilleurs, ils sont les seuls à posséder par tradition orale une telle connaissance sur le comportement de tout ce qui vole dans leur région. Les enfants ne sont pas en reste. Avec eux, David fait l'inventaire dans leur langue des noms de chaque espèce. Pour les enfants, c'est synonyme de jeu, et ils adorent. Come palo. Está trabajando. Sí. Sí. Tukui. 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 Así. Tukui. Comme les dessins, les chants enregistrés évoquent immédiatement chez les jeunes Yekwana les oiseaux qui en sont les auteurs. Les noms indiens correspondent soit à la transcription phonétique des sons, soit ils sont révélateurs du comportement spécifique de l'espèce. Pour le scientifique, chaque indice est précieux et fait progresser sa recherche. Le territoire des Yekwana abrite au moins 500 espèces d'oiseaux différentes. Avec l'aide de Gonzalo, David installe un piège. Un filet tendu devant un haut-parleur qui diffuse le chant enregistré du spécimen qu'il souhaite étudier. C'est en observant avec minutie les animaux et en les imitant que des hommes des sociétés traditionnelles ont souvent découvert la valeur médicinale d'une plante. Aujourd'hui, la science permet d'aller plus loin et la zoopharmacogénèse est née, et avec elle, d'immenses espérances pour la pharmacopée humaine. Les végétaux de la jungle fabriquent une grande diversité de composés chimiques. Tous ces poisons et toxines sécrétés par les plantes remontent la chaîne alimentaire par le biais des insectes et finissent dans la physiologie interne des oiseaux. Ceux-ci canalisent et stockent certaines de ces toxines dans une glande spéciale. Et lorsqu'ils se lissent les plumes, ils étalent cette substance sur leur plumage. Elle leur garantit une livrée impeccable et sert de puissant répulsif contre les prédateurs, y compris les hommes. David relâche immédiatement les oiseaux pris dans le filet, n'entrant pas dans le cadre de ses recherches. En revanche, ce petit fourmilier, représentant de l'une des plus anciennes familles de passereaux, l'intéresse au plus haut point.
Doucement, il dégage la glande uropygienne que possèdent 95% des animaux à plumes, poulets de basse-cour compris. Ensuite, il prélève avec d'infinies précautions, à l'aide d'un tube capillaire, quelques micro-gouttes de la substance. L'échantillon placé dans un tube contenant de l'éthanol sera expédié chez les biochimistes de l'Université Cornell. Il est probable que l'analyse de sa composition chimique mettra en évidence des composés simples et secondaires dont le cocktail agit comme un antibiotique. Et nous pouvons savoir si c'est une médecine pour elle. Donc, ok? C'est sa médecine. David consigne immédiatement les indices biologiques et écologiques sur la vie de l'animal qu'il vient d'observer. L'opération n'a duré que quelques minutes et l'oiseau retrouve sa liberté. Pour David, rien n'aurait été possible sans la collaboration des Yekuana. En partageant les activités des habitants du petit village, en vivant leurs rites et leurs croyances, David Rosan glisse dans leur vision du monde. Il n'est pas ici dans le seul but d'assouvir sa soif d'informations scientifiques et de repartir. Il partage rire et amitié avec les hommes, les femmes et les enfants Yekuana. Ces échanges, il les estime indissociables du contexte spécifique de sa recherche et de sa philosophie de la vie. Dans la rivière coulant au pied des cases, il partage aussi le bain des dauphins d'eau douce d'Amazonie. Encore une espèce archaïque et endémique, cousine lointaine de la famille des dauphins des océans. Dans le bassin de l'Orénoque, la vie du chercheur mélange les techniques traditionnelles d'études, la haute technologie moderne, l'ethnologie et l'aventure. Loin des moiteurs de la jungle, les rayons naissants de l'astre solaire déchirent la brume baignant le sommet du Kukanal. Jamais la Terre n'oublie les lois qui la régissent. Bien que l'on soit ici, non loin de l'équateur, la nuit a été humide et très fraîche en raison de l'altitude. Planté au bord de l'abîme, le campement se réveille. Oh, salut Esteban. Ça va bien? Que tal? Comment va? Regarde dans les poches. Tu as dormi? Cap, c'est ça. Ah, oui, bueno, qué bueno. Super bueno. Café? Azúcar? Là, ce qui est spectaculaire, c'est de voir comment le tépouille se débite. Il y en a encore derrière ? Oui, il y en a encore un autre derrière. Là, en fait, on va descendre là, déjà entre ces tours. Donc là, tu vas voir, il y a des jardins carrément entre les tours. Ah, et puis, on va rejoindre un canyon pour arriver dans la grande faille de 300 mètres qui est juste derrière. D'accord, donc on va descendre au moins de 400 mètres là.
À peu près, ouais. Ce qui te donne une chance peut-être de trouver... Je pense qu'on peut trouver des choses intéressantes parce qu'il y a une forêt, ça on le sait, il y a une forêt en bas et c'est le point de convergence de l'eau. Et donc ce qu'on peut supposer, c'est que pendant les périodes sèches, cette forêt est restée. Donc elle peut avoir eu un caractère de forêt-refuge et ça, on le verra a priori si c'est le cas, par des espèces qui dispersent moins vite, par d'autres modes de croissance. Donc... Mais autrement, si ça n'est pas le cas, on trouvera des espèces comparables à d'autres types de forêts. Mais ça, on va essayer de savoir. Allez. On va aller voir. Allez. Allez. Et fais gaffe à la main, ouais. Là-bas. Donc l'histoire, c'est d'aller à quatre pattes à l'envers. C'est à peu près ça, ouais. Bon. Tu vas te laisser glisser naturellement sur la corde. Au sac, voilà. Là, on voit que ça tient, voilà. Tu mets pas trop tes mains. Ah oui, parce que ça... Voilà. Marche là-bas. Marche. C'est bon, marche. Ah oui, c'est vrai que ça marche. À nouveau, tu fais comme si t'allais descendre. D'accord. Et tu te laisses aller, mets pas tes mains sur la corde pour le moment, laisse-toi filer. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça va. Ah oui, ça va. Bouge pas. Parfait. Voilà. Fais gaffe, les blocs sont instables. Ouais. L'exploration s'annonce très physique. Les spécialistes de la montagne ont remarquablement équipé les parois. Mais les techniques spéléo employées pour descendre dans le gouffre ne sont pas toujours aisées à mettre en pratique par les non-initiés. Malgré les difficultés, Patrick Blanc ne donnerait sa place pour rien au monde. Et bien des botanistes aimeraient, comme lui, découvrir le spectacle que lui offrent ces parois du Kukanan, probablement inviolées. Ouais, tu vois, celui-là, il est... Pas très... C'est bon, Patrick ? C'est bon. Et celui-là, comment il est posé. Hein? Ouais. Allez. Je vais repasser devant, là. D'accord. Regarde, Nicolas, tu vois, on est dans une gorge profonde et sombre. Et tu vois cette fougère? Ouais. Elle a ses feuilles toutes orientées vers la lumière face à nous. Et comme des panneaux solaires. Voilà, c'est la façon la plus efficace de capter la faible lumière. Ah, ou... Des carnivores qu'on a vu. Oulala, oui, oula. Très, très beau tapis d'Elian Fora. Ouais. Très, très beau. Allez. Bien protégé. Il y a un petit pas, tu sais. C'est un petit pas pour nous, mais... Allez. Voilà, enfonce-toi bien. Et si je lâche... Et là, maintenant, je fais quoi ? T'as aucune raison de lâcher. Continue à descendre comme si tu voulais descendre verticalement. Mais ça, faut surtout pas le lâcher, ça, alors. Pour le moment, non, mais t'as aucune raison de le lâcher. D'accord. Non, tiens-le simplement. Descends verticalement. C'est-à-dire, je me laisse comme ça ? Voilà, tu te laisses enfoncer. Vas-y, laisse-toi en tension. Vas-y. Non, il faut que tu sois... Non. Laisse-toi en tension. Laisse-toi, descends. Non, tiens la corde normalement. Voilà, simplement. Plie tes jambes. Ne fais pas de nœud avec la corde. D'accord. Et tu descends, tu t'enfonces. Voilà. Encore, descends. Descends tes pieds, oublie T'inquiète pas tes pieds. Pas. Oublie pas de descendre tes pieds. Pousse tes jambes, et pousse-toi du rocher. Ouais. Non mais ça va. Pousse-toi du rocher. Voilà, très bien. Voilà. Me fais pas des trucs comme ça. Voilà. Ne m'en refais jamais ça. C'est bien. C'est pas académique, mais seul le résultat compte. Là, t'as fait prendre un coup de vieux de 10 ans à Stéphane. Il était en vrac complet. Attention, pas plus sur ta pomme. Je peux le lâcher là, heureusement. Ouais. Ok, là on ouvre les sondeurs. Donc là oui, puisque ça ne fait rien. Vas-y, ouvre-le carrément. Voilà. Là, c'est joli quand même, hein. Waouh. Si ça tourne, tu te laisses tourner. Bah ouais. Ça permet de varier le paysage. Mmh.
T'as vu, Nicolas? Regarde un peu ce... ces splendides fleurs roses tyriens, la rose vif. C'est en fait de la famille des gentianes, c'est gentianacées, encore un groupe endémique des tépouilles. Et tu vois, c'est ces fleurs en tube, très colorées, ou rose, ou rouge, ou orange, c'est vraiment la fleur adaptée tout à fait à la pollinisation par les colibris. Parce que les colibris montent très très haut, très très haut en altitude. Alors, c'est les colibris, c'est les petits oiseaux qu'on appelle des gobe-mouches, qui sont capables d'un vol stationnaire, voilà, avec un battement très très rapide. Voilà, voilà, on ne voit même pas les ailes battre, et donc ils restent sur place. Alors, quand la fleur est bien orientée comme celle-là, c'est bien, ils restent juste en face de la fleur, mais quand la fleur est moins bien orientée, souvent il fait un trou dans la corolle et il boit le nectar quand même. Donc tu vois, il se débrouille de toute façon pour avoir le nectar. Est-ce une serpent? Non, généralement, où tu as l'odeur, c'est plutôt la couleur. Ça, c'est, voilà, où la couleur. Il faut savoir que les couleurs et les parfums ont un rôle très précis. C'est pas bien sûr. Juste pour flatter nos narines ou nos yeux. Oui, non, ça c'est ce qui permet la pollinisation, qui attire ou les insectes, ou les oiseaux, ou les chauves-souris dans certains cas. C'est de langage chimique, quoi. Voilà, voilà. Tiens, on arrive au bord, là. On va voir plus près. Ouais. Allez. Je vous attends là. C'est là qu'on va aller, voilà, Patrick. Ouais. Ah. À partir de là, on a les 300 mètres. Là. D'accord. Là, on voit la corne d'ailleurs. Ça va être aussi vertical que ça? Ouais. Mais bon, là, il n'y aura qu'à se laisser glisser, tu vois. D'accord. Voilà. Ok, impeccable. Je préfère pas voir ce qu'il y a derrière. Tu vois, c'est un peu comme avec l'anaconda. Oui. T'as un petit moment où tu mets en phase la raison elle est là, oui. Et l'émotion elle est derrière. Oui. Tu vois. Que j'aime bien quand je te regarde, c'est que c'est pas franchement toi qui me rassure. Ben non. Non, quand je me penche, c'est... oui. Ben te penche pas. Mais c'est pour tout à l'heure. Là, c'est toi le premier. Je fais attention aux éléanthoras. Le vrai cœur du Kukanan bat au fond de cet impressionnant canyon totalement isolé du monde extérieur. Une faille gigantesque où disparaîtrait la tour Eiffel. Deux cordes ont été installées et permettent une descente en parallèle moins stressante. De ce poste d'observation, la vue est imprenable sur la moindre anfractuosité de rocher où la vie s'est installée. Tu as vu ce bouquet là? Ah oui. Et tu vois, il est entièrement décollé de la paroi, tu remarques? C'est incroyable. Et en fait, tu vois ce qui se passe? Il est décollé, seules les extrémités des plantes sont vivantes. Alors ce qui se passe en fait, c'est que les vieilles feuilles meurent, mais elles ne tombent pas entièrement. Les bases restent fixées contre la tige qui est comme une corde finalement. Et donc toutes ces bases de feuilles fanées restent fixées et les racines de la plante qui sont au bout s'insinuent dedans. Ce qui fait qu'en fait, les racines profitent d'une part de l'humidité, on les voit partout, hein, là, et de l'humidité et de l'humus accumulé par la plante elle-même. Et en plus, ça refait sans arrêt des points d'ancrage récents dans la roche. Ce qui fait que la plante sans arrêt remet des nouvelles racines et se refixe dans la roche. Ce qui est très frappant quand on regarde la falaise en face, c'est que la végétation s'insinue dès lors qu'il y a un minimum de surface plane, voilà, pour que l'humidité puisse y stagner, voilà, et que la végétation crée un minimum de couvert végétal. Voilà. Et là, tu as à l'aplomb d'une toute petite plateforme, ah oui, qui a créé un jardin complet. Ah oui. Une composition florale, comme on dirait, oui, chez un fleuriste. Oui. Tu remarques la diversité. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tu as quantité d'espèces différentes, mais qui se ressemblent, qui ont les mêmes modes de croissance, et du coup, elles peuvent s'assembler, que ce soit des broméliacées, des cyperacées, des xyridacées, peu importe. Du moment qu'elles ont le même mode de croissance, elles peuvent vivre côte à côte et profiter du même manchon d'humus. Ce qui est quand même caractéristique des botanistes qui ont de l'expérience, c'est que vous pouvez les pendre dans le vide, bien les secouer, et leur connaissance reste intacte. Ta langue n'a même pas fourché sur un nom latin. Oui, d'ailleurs, je pense que s'il n'y avait pas de plantes, cette verticale ne t'intéresserait absolument pas. Oh bah mets pas la main sur la poignée, jamais. Oui, jamais, oui, même si on veut descendre. Ok, mousqueton, main droite, la petite longe. Non, mais il faut que je descende plus.
petit peu de peinard là, pour faire ton mouvement, fais ta boucle comme ils t'ont montré. Voilà, et là, voilà, très bien. Super. Là, t'as... Non, tu défais rien là-bas. Non, non, non. Non. Ça va, Patrick? Ça va, oui. Enfin, ça finit par frotter un peu, serrer un peu au niveau des cuisses. Ah donc... Oui, quand on reste trop statique, ouais. Voilà, ouais, mais autrement, descends, ça va. Je t'attends. Enfin, moi, j'atterris de l'autre côté, toi, là. D'accord. On essaie de se retrouver au milieu de la forêt. D'accord. Franchement sur ta poignée et puis ça va, oui. Ça va bien descendre. Au bout d'un moment ça va aller un petit peu plus vite. Trois heures auront été nécessaires à l'expédition pour atteindre le centre de cette montagne sacrée. À quelques dizaines de mètres de distance l'un de l'autre, Nicolas Hulot et Patrick Blanc posent le pied dans une forêt étrange. Seul le bruit des cascades jaillissant de la paroi trouble le silence. L'atmosphère est lourde, saturée de l'âcre senteur des plantes en décomposition. On est sur le fil du rasoir. Oui. En permanence. Il n'y a rien de stable. Eh non. Bah. Comme bon. Tu dis, rien n'est... Ah oui, c'est tout à fait bon. Rien n'est vraiment stable. C'est vraiment la vallée close. Ah oui. Complètement, hermétiquement. Et à mon avis, encore pour quelques millions d'années. Oui. Alors ? Bah alors, c'est une forêt, bon... Me dis pas qu'on est venu là pour rien, hein. Non, 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 rassure-toi, c'est un régal, bon. Mais sur les arbres dominants, c'est essentiellement les chefferas, comme ceux qu'on voyait en tout petit là-haut. Bon, il y a une diversité d'arbres infiniment supérieure. Tu as des vagnes maniaques avec les feuilles toutes fines, là tu as des mélastomatacées, là tu as Drimis, le Drimis avec les petites fleurs blanches. Bon, en fait, là, tu as beaucoup plus d'espèces. En plus, dans les petites plantes de sous-bois aussi, j'ai vu des petits psychotrias à fleurs jaunes qu'on n'avait pas vu du tout ailleurs. Il y a cette broméliacée énorme. Alors, énorme, oui. Ce qui est énorme. Fou, c'est qu'en en 400 mètres, voilà. On a l'impression que la végétation était prise de gigantisme. Ah oui, et ben, c'est exactement ça. Et pourquoi cette impression? Parce qu'en fait, ces broméliacées, elles grimpent sur tronc sans tomber. Tu vois, il y en a des très hautes là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vent du tout. Donc en fait, dans un milieu complètement stabilisé, il y a des plantes, une la même que l'Evrardia qu'on voyait là-haut. Ici, elle est trois fois plus grosse parce que justement du fait que tu n'as pas de vent, tu n'as pas le problème de transpiration et surtout, tu n'as pas la perte d'équilibre. Donc en fait, on a vraiment cette atmosphère très confinée et en plus, tu vois, que comme les pluies, tout est coincé là, donc l'humus reste. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne sait plus où on marche. C'est qu'il y a un gros tapis parce que rien ne s'évacue. Voilà. Et là, on est sur un immense tapis de végétaux en décomposition. Voilà. Il y a de toute façon un effet de refuge. Forcément, cette forêt est beaucoup plus ancienne que les petites qu'on voyait là-haut. Tu sais que quand Conan Doyle a écrit Le Monde Perdu, il s'était inspiré
pour ce roman dans lequel il y a des dinosaures d'ailleurs. Oui. Ce qui fait d'ailleurs que pendant longtemps on a cru que dans les tépouilles il y avait peut-être des dinosaures, justement d'un biologiste qui rentrait des tépouilles. Et à l'écoute de son récit, il en a fait son roman Le Monde Perdu. Et ici, on est au bout du monde, du monde perdu. Ah, parce que même Conan Doyle n'avait pas imaginé qu'on puisse aller comme ça dans l'entraille des tépouilles. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de botanistes. On est peut-être même les premiers mammifères qui mettent les pieds au fond de ce gouffre. Oui. Mais on peut peut-être affirmer sans trop se tromper que s'il devait rester des dinosaures comme Conan Doyle l'avait imaginé, ils seraient sans doute dans cette vallée. Là, s'ils ne sont pas là... Il n'y en a pas. Oh, bah, voilà. C'est la dernière chance qu'on avait de les trouver. Si tu t'envoies, tu me... Je préviens. Je préviens. Ok. Allez, je retourne voir un peu les sous-bois. Pour le botaniste, cette forêt refuge totalement oubliée et préservée au fond du Koukanan a une valeur inestimable. Chaque plante qu'il croise est ici un phénomène. Depuis que l'érosion a lentement ouvert cette brèche dans le flanc du Tépouille, la vie végétale obligée de compter uniquement sur elle-même s'est organisée et structurée en fonction des lois régissant cet isolat exceptionnel. Il faudrait probablement de longs mois ou des années pour dresser l'inventaire de ce monde sur notre monde. Jamais en tout cas, la nature vénézuélienne n'aura aussi bien mérité le nom de coffre-fort de l'histoire de la Terre. Ce pays a fait rêver des générations d'explorateurs partis à la recherche de montagnes d'or, de diamants et autres pierres précieuses. Aujourd'hui, le Venezuela semble surtout avoir compris qu'il lui fallait cultiver, préserver et offrir sa plus belle richesse, la nature. Alors ça, c'était encore totalement imprévu. La plus belle des images pour conclure ce voyage vénézuélien. Un arc-en-ciel qui vient saluer les tépouilles. Il y en a un deuxième ici. Voilà qui conclut magnifiquement cet itinéraire qui nous aura permis de traverser une galerie de l'évolution pour le moins hors norme et qui nous aura confondu devant tant d'astuces, de ruses et d'ingéniosité pour l'ensemble de ces êtres vivants pour vivre et se reproduire. À commencer par l'oisine, le plus primitif des oiseaux rencontrés dans les Llanos, jusqu'à ces petites plantes carnivores juchées sur les sommets de ces tépouilles. En tout cas, avec Patrick Blanc et cette visite dans ce conservatoire exceptionnel, protégé par l'altitude, je pense que nous aurons dorénavant changé le regard que l'on porte sur le monde végétal et peut-être même révisé notre jugement sur la définition du mot végétatif, tant parfois les plantes semblent elles aussi douées de raison. J'espère qu'avec nous, vous aurez mis sur un même plan d'égalité le monde animal et le monde végétal. Nous l'espérons. Bonsoir.